Et salut tout le monde, c'est Kimmer9 pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Forza Horizon 3 et on commence tout de suite cette nouvelle vidéo de À la recherche de la Kimmy Car avec une Dodge Viper réglée par Mimi, tout le monde. Alors, elle est propulsion, me semble-t-il. Donc, ça signifie que, bon, dans certaines épreuves, ça va pas jouer à notre avantage. Mais on risque de quand même bien pouvoir se comporter dans les virages, les prendre correctement. De toute façon, on verra bien. C'est pas un monstre de vitesse. Je suis chill le démarrage. Hop, hop, hop. Ah là là, Subaru. On tourne tranquille. Nickel. Franchement, elle est nickel. Je trouve qu'elle se manie un peu comme la M4. Ah, c'est dommage. J'aurais dû freiner davantage. Elle se comporte quand même un peu comme la M4. C'était pas dégueulasse du tout. Pour moi, la M4, pour le moment, c'est la voiture qui est la mieux réglée. Avec, il faut pas oublier, sur la première vidéo, la Lamborghini Rhenium. Allez, on speed. On est pas mal, hein. Elle se manie bien. Encore une fois, elle est propu, donc... Réellement pas dégueu. Merde. Faut que je reste sur la route, quand même. Allez, vas-y. Pas mal. Hop. Ça, c'était la merde. Ah, c'est bien dommage. On va faire une 56. C'est pas mal. Elle se débrouille bien, hein. elle a une bonne vitesse, on arrive à bien avoir la trajectoire, enfin à respecter la trajectoire qu'on se fixe avec la voiture. Mais je pense que peut-être qu'elle pêche au niveau de la vitesse. Une Ferrari 488 GTB, tout le monde. En live, je l'appelle la Kimmy Car, mais bon, non, ce n'est pas vraiment la Kimmy Car. Mais je pense qu'elle a de quoi... Qu'elle a de quoi l'être, en fait. Car elle se manie très bien, elle a quand même une assez bonne vitesse, qui est plutôt pas dégueulasse. Et voilà, je pense qu'elle a les atouts. En plus, j'adore cette Ferrari, clairement. Merde, c'est laquelle déjà? C'est la spéciale que je trouve. Qui est pas mal, la spéciale, hein. Mais je sais pas, je trouve que son design sort trop, en fait. Je kiffe pas trop la spéciale. Enfin. Putain, l'arrière, il se débrouille. Ouais, je t'aurai dans les suspensions pour un coup. Là, on va speeder. Ouais. Pas mal. Bien réglé, hein. Elle est stable. Elle est très stable. En fait, limite avec cette voiture, décélérer suffit juste. Bon, sauf là, hein. Là, je pense qu'en décélérant ici, c'est un petit peu suicidaire. Bon, quoi. Ouais. Là, c'est passé vraiment loin. Là, c'est pas mal. On accélère un peu.
Putain, et ce virage, j'arriverai jamais à le prendre correctement. Pas mal. Bon, il y a des virages où j'ai fait le con, j'ai pas trop géré. Je pense que là, on est sur un 1,55 qui aurait pu se transformer en un petit 1,53, un 1,54, tu vois. Mais on a clairement quelque chose avec cette Ferrari. Clairement. Allez, on va changer de voiture. Et ouais, une Ferrari F430S. Alors, il faut savoir que les réglages de cette voiture ne sont pas terminés parce que normalement je devais tester une autre voiture d'un viewer. Le problème c'est que la voiture, bah, les réglages, je pense pas qu'ils ont été partagés. Donc c'est un peu difficile. Donc j'ai demandé à Mimi, écoute, il me faudrait une autre voiture. Parce que sinon deux voitures dans un épisode c'est pas génial. Et donc elle m'a envoyé les réglages pour cette Ferrari. Mais c'est pas fini donc. Donc écoute, on va essayer. Ah, déjà, si je me siffle sur le démarrage, ça va pas être cool, ça. Ah, c'est tout le temps la guerre ici. Ouh, l'arrière qui part. Ouh là là. Dangereux, ça. C'est bien, enfin, il part, mais tu peux quand même un petit peu contrôler, tu vois, c'est plutôt pas dégueulasse. C'est un peu comme la BM, là, ça, c'est plutôt positif, en fait. Wow, ah ouais. Faut contrôler, attention. Ouais. Bon, on va essayer de frôler, allez. Pas mal. Est-ce qu'elle freine? Putain, il faut que je maîtrise de base ce virage qui est chaud. Ah, c'est dommage! Allez! Ah, 1,55. Bon, après le temps, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Parce que la voiture, en fait, se manie. Enfin, tu te bats avec. Hein. Tu te bats avec. Mais comme elle est vraiment rapide, qu'elle a une grosse pêche, elle arrive à se calquer sur le temps d'une voiture qui forcément n'est pas super maniable. Mais je préfère quand même pour l'instant la 488. Parce que de une, elle est super maniable. C'est peut-être pas la plus rapide, mais on a été plus rapide que la Ferrari. Et encore, je m'étais chié dans les virages. C'est pour vous dire. Donc bon, en conclusion de cette vidéo, je pense que la voiture de cette vidéo est clairement la Ferrari 488 GTB. Et il va falloir que je ne tarde pas à mettre toutes les voitures que j'ai préférées dans les vidéos et les confronter. Je pense que là, puisqu'on est sur la quatrième, ça va être possible. La prochaine vidéo, tout le monde, je fais un gros test. Un gros test de toutes les voitures. Il va y avoir de l'élimination là. Par contre, la BMW, elle me fait peur. Parce qu'elle est bien, la BMW. Elle est très 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 bien, la BM. Allez, plus tout le monde pour une prochaine vidéo.